À titre de président d'honneur du concert présenté par la musique du Royal 22e Régiment, le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, invite la population à prendre part au spectacle au profit du Festival international Euroquestrie. La prestation aura lieu le vendredi 18 mars à 19h30 à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. C'est sans hésitation que M. Généreux a accepté de collaborer au projet sous la gouverne du camp musical Saint-Alexandre. Le député rappelle qu'au fil des ans, l'organisme a développé une notoriété qui dépasse les frontières du pays et qui propose des projets musicaux audacieux, dont les Euroquestries, tout en favorisant l'animation culturelle du milieu. L'événement du 18 mars prochain contribuera à financer la deuxième édition du Festival international Euroquestrie. Ce dernier se tiendra du 14 au 20 août prochain au Kamouraska. De jeunes virtuoses, musiciens et chefs d'orchestre d'un peu partout sur la planète se produiront dans différents lieux du Kamouraska. Pour le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, le festival Euroquestrie a un impact touristique et patrimonial indéniable, principalement en raison de l'accueil de dizaines de jeunes musiciens en provenance de l'Asie et de l'Europe, ce qui engendre d'importantes retombées pour la région. Il s'agit surtout d'une rencontre des genres, des traditions et des cultures entre les artistes et les citoyens de façon originale et unique en Amérique. Des billets au coût de 15 $ sont disponibles aux deux bureaux de comté du député Généreux, soit au 277 rue La Fontaine à Rivière-du-Loup et au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny. Il sera aussi possible de se procurer des billets sur place le soir du concert. Karel Oud-Hébert, pour le réseau de télévision CEMA TV, à Montmagny.